Ah, c'est une dinguerie, c'est une dinguerie. Choisir une remorque pour un véhicule électrique et un client, c'est un professionnel paysagiste. Je crois que c'est une première. Ça y est, l'électrique vient de plein fouet. Et qu'est-ce que t'es pour remorque à choisir? Je pense que vous l'avez deviné, c'est une Umbawar. Pourquoi une Umbawar? C'est entièrement en aluminium et elle fait même pas 242 kg à vide pour supporter une tonne 3. Client, il veut se faire plaisir en s'offrant un Renault Scénic entièrement électrique que pendant qu'il fait l'entretien chez les clients, il met le véhicule en charge. Bonne astuce. Et là, mais voilà, terminé. J'ai rajouté des protections de feu pour un budget de 30 euros. Je lui ai mis son kit grillage à maillon fin pour un budget de 600 euros. Et la remorque, elle vaut 1800 euros. Ah, la bonne affaire, c'est vraiment une tuerie, moi je kiffe, hein. C'est vraiment de l'allemand, Umbawar, et c'est vraiment propre pour son véhicule, c'est génial. Là on voit que l'électrique arrive de plein fouet, de plus en plus, et les gens ils cherchent la finition, la légèreté, pour consommer le moins de batterie. Donc là c'est un essieu Alco, et les roues c'est du 185, R13 c'est vraiment confortable. Le grillage, c'est par emboîture, donc en 5-10 minutes, on a tout démonté, pas perdre de temps. Mais regardez-moi cette finition. Du plus, c'est bien costaud. Pour les 242 kg à vide, vraiment, il y a vraiment de quoi faire. Et par la suite, si son budget le permet, il veut rajouter ce coffre. Mais il veut déjà voir le comportement de ce véhicule. Pourquoi? Parce qu'il a tout ce qui est outillage sans fil. Eh, c'est malin le client, c'est un malin. Alors regardez-moi ça, c'est vraiment magnifique. Sans plancher, c'est du 15 mm. Donc bien entendu, la remorque a fait 2,51 m par 131 m. La taille d'une plaque de placo, il peut mettre tracteur tondeuse, il pourra faire du multi-usage. Alors donnez-moi en commentaire votre avis et moi je vous dis à très bientôt.